Alors, elle est déjà là, prête, là. Mais pas forcément très fraîche, car madame est rentrée cet après-midi de Paris. Ça fait plaisir. Ah, oui, oui, notre fashionista est invité à des défilés à la capitale. Ouais. Ah, la Fred, classe. Jingle. Démodé, ridicule et pas de notre époque. Bonjour Planète Fashion, aujourd'hui je vais vous faire rêver, vous faire voyager, destination le bonheur. Je vais vous parler d'une l'une de vos marques de prédilection, les filles. Celle pour laquelle on se saigne, la seule pour laquelle on fait des économies, nous les grandes dépensières. Et oui, je vais vous parler de la fameuse et de l'unique... Claudie Pierlot. Mais bien sûr, mais qui est Claudie Pierlot? Claudie Pierlot est une styliste française, créatrice de la marque portant son nom. Elle est née à Troyes, à la fin des années 40, donne pas les années. Après des études de stylisme et de modélisme, elle travaille dans les usines de maille dans le sud de la France, puis devient assistante chez Dorothée Biss. Elle fut connue dans les années 90 pour avoir habillé les petites femmes de Paris de 15-30 ans. Elle est définie comme une marque féminine citadine. C'est marrant comme aujourd'hui, quand on parle des années 90, on dirait qu'on parle de la préhistoire. C'est clair. Elle intègre ensuite le bureau de style du Printemps, c'est un signe, puis passe 10 ans chez Honey Derry, qui l'aide à se lancer en s'associant avec elle. Accompagnée par son époux, la pauvre, qui prendra la direction de la communication, elle créera 3 boutiques parisiennes, rue Montmartre, rue 29 Juillet et rue du Vieux Colombier, où la société Pierlot a toujours une boutique. Oui, une bio, c'est pas glamour, mais c'est important de comprendre son parcours pour mieux apprécier son talent. Elle vend son entreprise début 2009 aux actionnaires des marques Sandro et Mage, qui s'en sont associés pour cette opération sous le groupe SMCP. John, t'as compris Sandro, Mage? Ça va, ça te parle? Ah ben oui, Sandro et Mage. En fait, des mots que je comprends. Voilà. Que je connais. Tout aurait pu s'arrêter là, mais la marque, lui, survit grâce au travail extraordinaire, acharné des directeurs artistiques qui lui succèdent. Aujourd'hui, c'est la talentueuse styliste Vanessa Piera, Pierlot Piera, Piera c'est un signe, qui crée pour la marque. Et croyez-moi, elle fait des merveilles, entourée, comme elle le dit elle-même, par une équipe formidable. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur Facebook et ceux qui sont dans la salle, hein, vous pouvez voir sur les écrans le travail de la styliste. Je rentre de Paris à peine, où j'ai assisté à la présentation de la collection Printemps-été 2017 de Claudie Pierlot. J'ai eu le plaisir de rencontrer Vanessa Piera, qui est une fille non contente d'être juste très douée et brillante. Elle est en plus accessible et très généreuse. Voilà, je suis fan d'elle et je le crie. Bravo. Cette présentation fut haute en couleurs. Le thème de l'été prochain est Cowgirl Chic. Le western romantique, c'est pour moi. Avec un choix de matière raffinée, bref, des créations délirantes et fabuleuses respectant l'ADN de Claudie Pierlot, très actuelle avec des pièces pointues, c'est juste magnifique. C'est une marque qui se définit comme ultra féminine, actuelle, avec de très belles finitions, une ligne épurée et un style accessible à toutes, ou presque, car il faut quand même faire une taille entre 36 et 40 quand même. Hein. Raffinée et minimaliste, la marque de prêt-à-porter Claudie Pierlot propose une gamme de pièces éternelles et intemporelles pour toutes les générations. Mais attention, là encore, il faut être bien foutu, sinon les robes dos nus en dentelle courte risquent d'être compliquées à porter eu égard à la gravité inévitable du temps qui passe. Les signes distinctifs de la marque sont le style prépi, des nœuds, la couleur bleu marine et des cols Claudine qui font la popularité de Claudie Pierlot et son grand succès, un style rétro parfaitement remis au goût du jour. Les jeans, les tops en bimatière et les robes baby dolls font partie de l'ADN, encore une fois, de la marque et sont retravaillées chaque saison pour notre plus grand plaisir. Aujourd'hui, la marque Claudie Pierlot s'est implantée partout en France et plus largement en Europe et au Japon. Elle a rejoint le groupe LVMH, Dior, Louis Vuitton, Céline, Kenzo, Fendi, Guerlain, Marc Jacobs, Givenchy, Chaumet, Bulgari, etc. Claudie Pierlot est un univers où toutes les femmes se sentent belles et désirables. Un monde qui tourne toujours, sans fausses notes, au tempo des tendances et au rythme des saisons de la mode. Enfin, voici la liste de nos très beaux points de vente. Claudie Pierlot du 06, hein, pas chauvin, sous l'œil bienveillant et professionnel de notre superbe directrice régionale, Nadia Tramson. Ça cire les pompes, là. Vous verrez, non, elle le mérite, elle est vraiment bien. Ouais, vous verrez donc Natacha sur la rue Alphonse Carr à Nice, Johanna aux Galeries Lafayette Masséna à Nice, Shaima et Fabienne à Cap 3000, Sarah et Sabrina rue Commandant André à Cannes, chez laquelle je suis jusqu'à samedi. Et enfin, moi, Nadra, au printemps, ici au Polygone Riviera. Exo, exo. Eh ben, bravo.